Ce territoire est une île. C'est une île préservée. C'est difficile d'y envisager le développement économique autrement que de manière très maîtrisée et sous la forme de niches à forte valeur ajoutée. La culture du citron, il y a 15 ans qu'on y travaille, on a obtenu l'IGP. Après, nous avons aussi, au niveau de la CARF, à travailler sur la promotion d'un autre produit identitaire qui est l'olive. Et puis au-delà, dans les montagnes, du côté de Tende et de la Brigue, développement du châtaignier. En matière de tourisme, nous voulons avoir la gamme complète, du camping jusqu'à l'hôtel 5 étoiles et au resort, et nous sommes en train de compléter les gammes. Il y a l'économie résidentielle. L'économie résidentielle, bon, elle fait vivre des choses auxquelles on tient particulièrement, l'artisanat et le commerce indépendant de centre-ville. Et puis nous nous ouvrons de manière très, très délibérée, les yeux ouverts, vers l'économie numérique, digitale. C'est peut-être hors de propos, mais être connecté, oui. Être smart city, totalement connecté, non. Ici, on tient à l'intimité, on tient à la liberté, on tient à des valeurs fondamentales sur le plan humain qu'une connexion complète détruirait.